Salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4, l'épisode 5575. On arrive enfin, pas loin de l'Australie. Non, je rigole, non, on n'est pas quand même aussi loin, faudrait pas abuser. Donc on avance doucement, hein, doucement, petit à petit. Voilà, on a colonisé toutes ces îles-là. Et voilà, la celle en cours, y a, on a celle-là en cours et celle-là. Celle-là est en colonisation qui est presque terminée d'avoir le corps. Et à partir de là, on pourra aller mettre les pieds en Australie, officiellement. On pourra mettre nos petits petons dans le désert australien. Et on deviendra les maîtres de l'univers en Australie. Ce sera déjà ça. Comment ça, des ingrats se sont soulevés? Oh, on s'en fout. On s'en fout, on n'en a aucun problème. J'ai aucun problème avec les ingrats. Quoi? Une, quoi? Qui c'est qui me demande à goûter? Quoi? Gagner tatata, les eunuques gagnent 5 en influence. Modificateur, non, je veux sûrement pas perdre 1 de stabilité, non. Tu vas te faire. Je préfère perdre ça. Enfin, faire ça. De toute façon, je fais pas la guerre, alors je m'en fous. Alors, requête d'accès militaire, et pourquoi donc? Et pourquoi donc tu voudrais. Ah, parce que peut-être. Non. Non, non, non. Je vois aucune raison de te donner accès militaire, mon grand garçon. Tu vas te démerder. Pourquoi je t'accepterais? T'es même pas en guerre, rien du tout. Pégouche, putain, merde, ils sont alliés quand même. Je suis à moins 44 et ils sont hostiles. Bah alors je refuse, hein, il n'y a aucune raison que j'accepte. Hein. Je suis désolé, mais. Hein. Je suis désolé, mon grand, mais. Aucune raison que j'accepte. Ah, c'était pour aller tuer ces rebelles, sûrement plus rapidement, mais non. Non, 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 je suis désolé, je refuse. Je le refuse, je ne veux pas. Je ne veux pas être copain-copain avec toi, même si j'ai amélioré mes relations, mais c'était juste. Pour être tranquille, juste pour éviter que tu me fasses la guerre comme ça sans aucune forme de raison ni de pitié. Alors, eh ben voilà. Voilà, tu es arrivé au maximum. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas être plus copain avec toi. Comment c'est que je suis un négatif? Ah, un soulèvement. Un soulèvement. Un soulèvement. Et un soulèvement. Je sais pas. Pas compris. Et là, on a un soulèvement. Alors, un soulèvement, on va faire comme ça. Et comme ça. Voilà, ici on a un soulèvement de 6000. Faites bien gentil, vous. Mon armée est actuellement hors service. Veuillez repasser d'ici une quinzaine de jours. Eh ben, on va y aller. On va y aller, on va y aller. Comment ça, des rebelles? Pourquoi des rebelles? Pourquoi des rebelles? Pourquoi on perd des sous là? Pourquoi d'un coup on perd des sous alors qu'on. Ah, mais c'est lassitude de guerre! Oh! Risque national de révolte plus 5,70. Oh putain! Pas rigoler avec vous les gars, hein? Va falloir se calmer un tout petit peu les enfants, hein? Comment ça on a perdu? Comment ça on a perdu? Tu vas voir si on a perdu. Combien on est d'annexion? Presque 80%. J'aimerais bien que tu me déplaces mes troupes ici, s'il te plaît. Merci. Tu seras gentil. Comment ça, on a perdu? Non, mais n'importe quoi. Comment cela se pourrait? Comment se pourrait-il que cela se pourrait? Gagne une revendication sur quoi? Mais ils font ce qu'ils veulent. Ouh, ça sent la merde d'ailleurs. Ça sent le caca là. S'il gagne une revendication sur chez moi. D'accord. D'accord. Alors il va falloir un petit peu se méfier. Parce qu'ils ont des alliances. Avec la Horde et Pégou. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Je suis en alliance avec la Horde. Les bâtards. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les autres qui ont fui là comme des lâches là? Très bien, très très bien, très très bien. Ah, bravo, merci. Oh, bravo, c'est impeccable ça. Merci. C'est génial. Ça fait partie de chez nous. Donc on va pouvoir les coloniser jusqu'ici. Voilà, là, se trouve à 291. Donc on peut coloniser ici désormais. C'est très bien, c'est tout à fait cool. Et on va juste attendre que les colonies. Ben, ça serait bien que les colonies se finissent. Hein. C'est au moins. Puis emmerder. Hop.
Tu pars dans ton bateau et toi tu vas en ton bateau jusqu'ici, toi te mêles le cul, tu refais tout le terrain dans l'autre sens et tu reviens par ici. Oh là là, mais c'est pas vrai ces gens. Ouais, mais là c'est pas grave, c'est pas grave, ici c'est pas grave, ici on maîtrise. Ça n'a que peu d'intérêt. Ah non, putain, chier. Faction numéro 4, ouais, mais j'ai pas envie de perdre la stabilité. Tant pis, on fait ça. Tant pis, tant pis. La montée du bouddhisme, là. On peut pas changer de religion. Une révolte encore! Il va falloir se calmer, les enfants, là. Il va falloir se calmer un tout petit peu, là. Ah, on peut investir dans les technologies militaires. Je m'en fous un peu des militaires, mais. Et on peut investir dans de nouvelles unités. On va pas faire ça de suite. Hein. Ce serait du suicide dans ces. C'est quoi comme unité? Cavalerie des steppes. Cavalerie samouraï. Cavalerie des steppes améliorée. Ok. On passera à ça quand on aura 5 minutes. Alors là, j'ai peur de me faire défoncer mon armée. Ils sont à moins 7. On a encore un tout petit peu le temps. On a encore un tout petit peu le temps là, ici on a encore un corps. Oh putain, ils sont bouddhistes déjà. Bon, ça va, faut se calmer un peu là. Pourquoi vous êtes bouddhiste? On va peut-être bouder comme ça là. C'est pas vraiment sympa, hein. C'est pas vraiment sympa de faire des coups comme ça. Allez, magne-toi. N'attends plus que toi. Et normalement, avec les deux, ça devrait bien se passer. Allez, voilà. Allez, boum. Il va où? Talbec. Il va y arriver quand? Le 10 janvier. Et on a arrêté le 8 janvier, donc on va y arriver avant. 7 régiments se soulèvent. Ouais, on avait besoin de ça, dis donc. Et c'est lui qui est en malus. Normalement, il a un malus, là. Parce qu'on est en défense. Et quand même, ils nous font bien mal, hein. Ils nous font bien mal, ces salés, vous. Ouais, ok, cool. Cool. Une revendication. Elle est bien longue, dis donc, cette bataille. Voilà. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ça, vice-roi, plus 20. C'est quoi la suivante? Limite de colonisation. On va peut-être taper dans le vice-roi, parce que maintenant, j'ai ma distance qu'il faut. Donc voilà, c'est ça. Donc on va taper là-dedans. Comme ça, déjà, on a gagné la discipline plus 5%. Et droit de donne. Et après, on aura un colon de plus. Et là, ça va devenir génial. Parce que là, on pourra aller beaucoup plus vite au niveau des colonisations. On va attendre de remonter un petit peu au niveau du moral. On va aller par ici. On va attendre de remonter un tout petit peu notre morale. Et après on ira récupérer ça. La seule liste, Liang Xiang. Vous faites chier vous un peu, non? Je perds encore des sous. Je perds encore. Ah merde, il y a ceux-là là-bas. Merde, c'est quoi? Des patriotes, machin. Ah merde. Mais pourquoi il y a des patriotes? Non mais d'où qu'ils sortent ceux-là? J'ai aucun territoire à moi qui fait partie de chez vous, les gars. Hein. Pas encore. Hein. Ça va arriver, mais pas encore. Mais là, mais. Putain, encore. Ils m'aident pas, eux, tu vois. Ça c'est chiant, ça. Ils viennent pas m'aider, quoi. Ils viennent pas aller tuer les rebelles. Normalement, ils le font, ça. Mais ils sont pas motivés, hein. Ils ont jamais été motivés, de toute façon. C'est des salauds, ceux-là. C'est des salopios. On est en malus, mais je suis désolé. Normalement, on défonce, là. 17 contre. Ouais, ça va être juste, en plus, hein. Qu'est-ce que. Tricherie aux examens. Ça, c'est plutôt ballot. C'est qui? C'est la faute à qui? 10 en prestige, perte de 2 en prestige, 20 en puissance administrative, allez, tant pis. On sacrifie un petit peu d'administratif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs au niveau des points qu'on gagne? On a 6-8-8, et au niveau des technologies, on est à 9-8-11. Ce qui est pas mal, hein, j'ai remarqué qu'on a une meilleure technologie que la Horde, qui est à 6-10-12, 6-19, pardon. Et on a les pays européens
qui sont, j'ai regardé un tout petit peu avant le début de l'épisode, ils étaient tous à 11, 11 partout. Donc finalement, on a rattrapé un petit peu du retard. D'accord. Oh là là, n'importe quoi, des zombies. Prêcher son fardeau et tous ces gens. Comment ça alléger? Ah non. Combat contre la famine. Coût de technologie 10%. Merde. Chier. Fait chier ça. Guerre internationale d'effectifs, famine. Ah, ça fait chier ça. Ça fait chier. Plus 10%. 10% de 810, ça va faire beaucoup, hein. Jusqu'à quand? Pendant 5 ans. Ah mais ouais. Allez, c'est bien parce que j'ai un grand cœur que je fais ça. 870, bon, ça nous fait gagner 60 points de plus. C'est pas grave. Ils sont combien déjà là-bas? Ils sont 6000, oh, ça va, on est presque le double. Va nous chier une pendule celui-là. Donc allez, on remonte tous jusqu'à là-haut. Ça c'était sûr. Sera maintenant des céréales sera produit tout ça ici non ouais céréales ça c'est méga utile merci les gars ici on produit quoi déjà on produit des céréales c'est trop cool j'adore combien on a d'habitants ici 322 et c'est là où il y a le colon ouais, c'est là où il y a le colon j'aimerais bien qu'il a fini au plus vite qu'on commence à aller récupérer de nouveaux territoires. Allez, on va les défoncer, eux. Pourquoi il y a... Comment ça se fait que j'ai des patriotes chez moi, des patriotes du Machu? Je comprends pas. Alors, terre natale de Corée, je veux bien. Ah ouais, mais c'est ceux qui étaient à côté, alors. Aspire à retourner à leur terre natale de Corée. Ben non, mais oui, mais allez-y. J'en ai rien à foutre. Ça fait pas partie de la Corée. Ça a jamais fait partie de la Corée, les gars. Faut se calmer un peu là. Jamais de la vie, ça fait partie de la Corée, ça. Cool. 100 populations de plus. Ça, c'est ce qu'il fallait. Bon, la horde, comment elle se porte? Toujours pas. De 1 en férocité, ça c'est cool. J'étais déjà pas très féroce là. Je préfère gagner des unités en plus. Voilà, non. Allez, on arrive là. 19, on va les défoncer. 19 contre 8, ça devrait bien se passer. Ça, on a que ce chef militaire là, on n'a pas tellement le choix. On n'a pas besoin d'explorateur pour le moment. Ouais, on n'a pas besoin d'explorateur, ouais. Et ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Si je laisse en pause, on risque pas d'avancer très vite. Allez. Magnez-vous, les gars. On va augmenter peut-être un tout petit peu là. Tant que vous vous dépêchiez. En attendant, ça fait monter l'annexion petit à petit. Poisson, en effet. Là, ok. Ok, du poisson, trop cool. Trop cool, du poisson. J'adore le poisson. En fait, non. Mais c'est pas grave. Pas grave, c'est pas grave, je m'en fous. Je préférais trouver du pétrole. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Ah ben voilà, ils vont récupérer mes territoires. Non mais n'importe quoi. Il serait temps de se manier le cul, les gars, hein. Comment ça se fait? Ah ben ils vont se faire tuer par les... Par les unités qui restent, hein. Voilà. Et voilà, on va récupérer ça. Voilà, on est à plein maintenant. Et maintenant, bah, il se casse. Voilà, il se casse. On va aller jusqu'ici. Merde, je ne peux pas. On va aller jusqu'à là.
dans la baie de Corée. Peut-être que la Corée... non, ouais, mais non. On ne peut rien y faire avec la Corée. Ils sont menaçants. Ils se sentent menacés, pardon. Juste des frictions à la frontière. On peut essayer peut-être de s'en faire des alliés. Bah. J'ai un héritier. Mais... Ah, ça y est, je regagne des sous. Un petit peu. J'ai un héritier qui est très mauvais en militaire. Ce qui est très très con. Mais ce qui me plombe, c'est surtout les colonies. C'est ça. Qu'est-ce que ça coûte une fortune? Bon, une fois que c'est en place, ça rapporte bien, mais... 6,37. C'est l'armée qui me coûte le plus cher. Et maintenant, elle va me coûter encore plus cher parce que je vais récupérer toutes les troupes des deux. Donc, je vais pouvoir un tout petit peu démanteler des armées. Allez, c'est à combien? Moins 7. Une brèche dans les murs. Ils sont que 882. On est 20 000 à la porte. Moi, je suis là-haut, j'abandonnerai, quoi. Ce serait logique d'abandonner quand même. On aura bientôt le corps ici, c'est trop cool. Dans pas longtemps là, on est dans l'année là. En octobre, en fin d'année là. Si, ben non. Il semble qu'on entre des marchands. Vraiment la Chine au moment de gagner un market. D'accord. Gagner instabilité, la Chine isolée, coût d'une doctrine, plus 25%. Que tout le monde puisse commercer, coût d'une doctrine, moins 10%. Question de coût de stabilité, plus 30%. Coût des technologies, moins 1%. Juste pour ça. Que tout le monde puisse commercer, rien à foutre. Pendant. J'ai vu 61 pendant. Putain, pendant 100 ans, bordel! Oula, c'est pendant 100 ans chinois. Oula, par contre là c'est tendu là. Combien ça me coûte ouais, mais je suis au maximum. Je suis au maximum. Je suis au maximum. Alors ici, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'armée, on va la couper en deux. Et on va faire venir déjà les troupes ici là, parce que j'aurais pas envie qu'ils. Qui bascule dans un autre pays. Parce que c'est possible. Perdez un prestige. On pourrait faire ça, mais coûte un petit pourcent de coût des technologies. Franchement, ça fait quand même un peu abusif. Par contre, moins 10% de coût des doctrines, ça serait plutôt intéressant. Parce que ça nous permettrait d'avoir ça un peu plus vite. Moins 10%. Oh, il y a Lara qui joue à Scribble Note. Donc doctrine moins 10%. 10%, 10%, ce serait pas mal. 10%, 10%, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, ça nous aidera peut-être. On n'est pas à 10, non, on n'est pas à 10 encore. Et à prochain coup, on sera à 10. Pour débloquer une nouvelle. Ouais, mais ça t'engage sur 100 ans quand même, hein. La stabilité, ça peut être très utile de pouvoir en racheter, donc on va faire juste ça. Le truc qui coûte le moins. L'épidémie, ça va sur la cour, ça c'est con. 30% de chance que le monarque ait perdu un de stabilité. Gagner 10 sans prestige. ...95% de chance de gagner un impôt de base. Gain de 1 en stabilité. J'ai pas besoin de stabilité, mais j'ai pas besoin qu'il meure non plus. Parce que il a quel âge ce garçon? Il a 21 ans, donc il pourrait régner. Il pourrait régner si jamais l'autre devait mourir, mais je perdrais beaucoup de points au niveau du militaire. C'est compliqué tout ça, c'est compliqué. 10 de prestige. Est-ce que j'ai de la chance? On a bien vu, hein, ça m'est déjà arrivé de tester, et j'ai bien vu que j'avais pas beaucoup de chance. Donc l'autre fois, on a fui à la campagne. Et on a...
On n'est pas mort. On a échappé aux 5%. Et là, est-ce qu'on tente les 30%? Alors, on va tenter les 30%. Je meurs pas. Ouais, ça, on s'en fout. On a du ciel. Alors, je l'ai perdu, je l'ai gagné. On va laisser passer le temps. Blablabla. Hop, je l'ai gagné. Est-ce que je l'ai gagné maintenant? C'est là. Le mandat du ciel. Et on me le met que je l'ai. On me met que je l'ai. Bon. Bon, on va dire qu'on l'a. Hein. Et en dirigeant, on n'est pas mort, donc c'est très bien. C'est très bien. On remonte en légitimité, ça c'est bien. Ça c'est cool. Alors, ce qu'on va faire, on va aller ici. On va prendre le bateau. Ah, on perd 10 de légitimité, mais victoire. Ming est devenu encore plus grand. C'est la folie du Ming, et là on va perdre gavé d'argent. Ah non, on en gagne plein, dis donc. Ben on gagne les impôts. Réforme militaire, réforme, on gagnait 100, gagnait 1 de stabilité. J'ai pas besoin de stabilité, donc on va gagner de la puissance militaire. Et comme on ne peut pas cumuler de la stabilité en avance. Donc, et eux, on va les faire arriver jusqu'ici. En espérant qu'ils aillent plus vite que les autres à pied. Ce qui devrait être le cas. Alors. Trop cool. Voilà, ben voilà, tout se passe en même temps. On a récupéré ça, et on a récupéré tout le peuple qui était là-haut. Et on a plein de sous. Putain, comment ça se fait qu'on a autant de sous, quand même? Qu'on reste avec autant de sous, malgré la crise. C'est quoi comme bateau, ça? C'est une galère. Quelle galère? Et la galère, donc on va la faire venir jusqu'ici, infusionnera avec le reste de nos bateaux. Et c'est quoi, ça? C'est un bateau de commerce. Il fait la route de Pékin. Il fait du Pékin Express. Et il a bien raison. Il va continuer à faire la route de Pékin. Ouais. Il fait la route de Pékin. Bah, c'est très très bien qu'il continue. Peut-être ici, c'est quoi? Du Japon. On n'a pas de puissance commerciale ici. Non, le Brunei a de la puissance commerciale ici, alors qu'ils sont à l'autre bout là-bas. N'importe quoi. Donc on pourrait coloniser là-haut. Et est-ce que 14,5%, 14, 1, 1, gna 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 gna, on pourrait coloniser par ici. Ce serait pas forcément méga utile, mais ce serait toujours ça. Combien on gagne? 17,21 par le commerce, sinon... la folie. Solidine de cette réputation, tant pis. Se tourne vers le bouddhisme encore. Taïwan, merde. Chier. T'as peut-être falloir que je prenne de la doctrine, un truc que j'aime pas, doctrine de religion alors. Doctrine religieuse. Du missionnaire. Et là, celui-là, il a un point, donc c'est un missionnaire qui bastonne. Ici, doctrine d'expansion, ça pourrait être bien. Un colon, un marchand dès le début. Temps de voyage des colons. Frais diplomatiques. Vitesse de construction des navires. Talent diplomatique. Et puissance du commerce global, ça, ce serait pas mal. Ça serait plutôt sympathique. Administrative. Ça serait bien aussi, économique. Modification nationale d'impôts, plus 10%. Coût des constructions, moins 20. Réduction de l'inflation, moins 0,10. Intérêt, moins 1%. Conseiller disponible, plus 1. L'entretien de l'armée, moins 10%. Ça nous serait méga utile. Et la productivité, plus 20%. Donc les deux sont très intéressants. Expansion et économie. Économie, ça serait bien pour gagner toujours plus d'argent. Parce que c'est ça le but de la vie. Ah, ben les bateaux, ils sont arrivés encore plus vite. Ah, ben du coup, on est plein. On va être 27 000 unités juste pour... Je veux pas fermer, je veux les fusionner, mon grand. Bon. Ben, tout se passe. Maintenant, la Corée est un obstacle à nous. On a une revendication, une casus belli. Ils ont un casus belli.
Ils ont un cachouche belli sur moi. Exactement, ils ont un casus belli. Alors. Il semble que le gouvernement. Qui gouverne. D'accord. Ils savent se débrouiller tout seuls. Puissance des commerces locales plus 10%. Modificateur. Taxé. Putain, encore. Et on peut pas changer de religion. Autant se mettre directement au bouddhisme, comme ça on sera pas embêté et ce sera plus facile après pour récupérer les territoires. Notamment les territoires qui sont bouddhistes ici. Ce sera tout de suite plus facile. Mais non, c'est notre religion. C'est notre religion, c'est notre combat, c'est notre tout ce que tu veux. Alors là, ils sont trop. On va enlever ceux-là. Et on va les faire aller là. Tu peux porter combien? Tu peux porter 15 unités. Eh bien, on va la laisser stationner 17 000 unités sur le territoire. On s'en fout. Ah merde, on a 12 000 aussi ici. Ben voilà, 12 000 sur Pékin. Et 17 000 dans le sud. Parce que nous, on est des fous. On a de l'armée qui sert à rien. Mais on gagne quand même 20 000 balles. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Combien on est? On avance 645, c'est très bien. Et ici, on est à 427. Et on a toujours notre truc là. J'aimerais bien pouvoir avoir un colon de plus. Ça m'arrangerait, mon grand. 14%. Qu'est-ce qu'on a? On peut faire une... ça. On peut faire coup de la cavalerie, moins 10%. Et après, on a quoi? Vitesse de récupération des effectifs, plus 20%. C'est pas mal aussi. Coup de l'infanterie, moins 10%. Ce serait pas mal aussi. Modification nationale d'entretien, mais ce serait pas mal aussi. Assimilation des indigènes, c'est très bien. Nouvelle, ça c'est très bien. Quota d'entretien militaire plus 10%. C'est con ça. Ça c'est plutôt con. Donc au niveau 10, hein, je sais pas trop dans quoi on va taper. Ça fait un moment que je l'ai, donc... Modification d'entretien militaire, ce serait pas mal. Coût des navires, moins 10%. Et voilà, le pays est libre. C'est la liberté. On va fusionner. On va... non. On va fusionner. Voilà. Et on va couper. Et on va mettre un petit peu plus d'infanterie. Ouais. Allez, 2000 de mieux. Ici, tout le monde se rejoint là. Et le bateau, ici. On va se faire une petite armée pour... pour l'explorateur, monsieur l'explorateur de Fuglang, monsieur Fuglang, notre explorateur expert, notre conquistador, espagnol qui est Ming, n'importe quoi. Hop, allez, tu vas rentrer dans les bateaux. Le bateau direction la petite base ici. Donc ici normalement je ne prends pas de malus, on est d'accord. Ici, je ne prends toujours pas de malus. Ici, je prends du malus. Ici, je prends du malus. D'accord. Je prends pas de malus quand même à partir de là. J'ai pas de problème de ravitaillement. Et ça, c'est trop cool. Donc, j'ai que finalement deux cases à faire avant d'arriver ici. Et on a 15,5% de... Putain, j'aimerais trop avoir un coulon de plus. C'est pour ça que... arriver à une technologie ici et développer un coulon de plus... ça serait pour moi très utile parce que l'objectif étant quand même d'aller coloniser l'Australie entière, ce serait bien. Si possible, tout ce qu'il y a là aussi. Sauf qu'on ne peut pas coloniser, bien entendu. Pas non plus abusé. Bon, c'est bien, je suis content. On a un très très grand territoire. Et qui dit plus grand territoire dit aussi plus grand problème. Et ouais, ça fait partie du travail, l'ami. Alors, c'est les cavaliers qui pouvaient être améliorés. On va faire améliorer tout ça. unités. Voilà. Et ben voilà, on a presque une nouvelle colonie, tiens. C'est parfait, ça. C'est parfait, juste au moment où je le voulais. On va pouvoir commencer à coloniser l'Australie. C'est trop cool. 50% de chance de colon, c'est bien. Une chance sur deux d'avoir un colon en plus. J'ai toujours pas de mission. Non, c'est ça, j'ai une mission. Conclure une alliance avec la Corée. Ah putain, merde, c'est con, j'avais pris ça comme mission. Ça, c'est plutôt ballot. Est-ce que du coup, je peux conclure une alliance?
Peut-être que si j'allais dans... Tu veux offrir une alliance, allez. Bim bam boum, on peut. On peut, on se le permet, on peut. Mariage royal avec la Corée? Mariage royal avec la Corée. Cool. 10 de prestige, cool. Bon, on est allié avec la Corée. Elle est très locale. Et on n'a pas de mission. Supprimer le... Quoi, c'est qui, ça? C'est qui... C'est eux, ça, non? Ouais, c'est eux. Pourquoi je le supprimerais? Quel serait mon intérêt, mon grand? Gagner 5 de prestige pour faire ça, tu te fous de ma gueule? Ça vaut pas le coup. Je suis désolé, ça vaut pas le coup. Votre colonie, c'est bien, trop cool. Autosuffisante, allez, oh, bim bam boum, fais péter le corps. Et ça se passe très très bien, hein. Ça, vraiment, c'est impeccable. C'est parfait, on va virer l'armée de là, qu'elle ne sert plus à rien. Et on va commencer à envoyer des gens. Oui, j'ai bien dit des gens. Des gens là-bas. Il va mettre 204 jours, ce qui est très très long. Ce qui est très très long. Alors, oh non, ce qu'on va faire en premier, peut-être, c'est directement aller emmener notre conquistador sur le territoire. Je préfère jouer la rapidité. La rapidité, commencer à mettre les pieds en Australie. Direct de suite, là. Comme on est fou. Comme on est fou, mettre les pieds en Australie, ce serait déjà... ce serait déjà le pied. Forcément. Et il faudra aussi qu'on colonise un petit peu toutes ces îles toutes pourries là. Qui ne rapportent rien du tout, quoique non. On colonisera peut-être juste ça là. Les trois morceaux là, ce qui rapporte le plus. Allez, direction l'Australie. L'Australie, j'ai dit. Tu te peines le cul. Combien de temps tu vas mettre pour aller jusqu'à là-bas? Golfe de... Putain, encore? Ils sont chiants les gens, hein, se tourner comme ça vers un... Hérétique! Ah, on peut... Oh! Ouh, ben voilà. Le choix est là. Permet théocratie. Je m'en fous. Je m'en fous de la religion, c'est pourri. Et on a quand même... tolérance. On a quand même une bonne tolérance envers les autres religions. Et oh, ben ça va, c'est presque fini là. Par contre, du coup, on a de plus en plus de territoires qui sont totalement pas d'accord avec notre religion. Ça, c'est bien des salauds. Allez, on va débarquer ici. On va ramener le bateau à la maison. Le bateau ici au repos. Et on va commencer à envoyer notre colon qui s'appelle Baishen. Baishen, oh, ça, c'est le colon de l'ultime, pardon. Le colon magistral qui va nous mettre nos premiers pieds en Australie. On va verser la petite larme. Quand est-ce qu'il arrive? Putain, dans 200 jours. On pourrait se manier le cul un peu. Alors, on peut faire une doctrine de plus. Que choisissons-nous? Alors, on peut... Ah, j'avais pas fait ça. Merde. Ça, c'est con, ça. Je suis pas trop en retard au niveau militaire. On va dire pas trop, hein. Alors, par les 33 de prestige, ça c'est con. Je me suis fait chier à gagner 35. Allez, on va faire ça. Capacité de ravitaillement plus 50%, ça c'est pas mal. Ça marche aussi pour les bateaux, j'espère. Maintenance navale. Par contre, ça va nous coûter plus cher. C'est con, ça. L'efficacité, ça c'est bien. Contre la défense locale, on s'en fout. Alors. Qu'est-ce qu'on va prendre comme doctrine? Est-ce qu'on chope le colon direct? Est-ce qu'on chope le colon direct? Ou économique. C'est à quel niveau après? 14. 14, 14, 14, 14. C'est faisable. Et sachant que là, le prochain, c'est un colon. Donc, je vais automatiquement gagner un colon au prochain coup. Modification nationale d'impôts, plus 10%. Ça pourrait être une solution aussi. Les mercenaires, j'en paye jamais maintenant. Ça pourrait être une solution aussi. Puissance du commerce. Un diplomate de plus, moi, deux, ça suffit.
Ça, non. Dégradation du prestige, moins 100%. Coût des mercenaires. Coût des technologies, moins 5%. Dégradation de l'aile, tradition, ouais, on s'en fout. Vitesse de recrutement. Lassitude, on s'en fout. Frais d'entretien, plus ou moins, ouais, mais. Y a pas un truc méga technologique? De défensif, de qualité, de qualité. Habileté au combat de l'infanterie, plus 10, ça serait plutôt pas mal. Coût de... Aristocratie, coût des technologies militaires, moins 10%, c'est pas mal aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, il y a plein de trucs sur le militaire avec plein de marchands. Mais ici, j'aurai un colon de plus. Donc, si sur celle que j'ai, je fais un colon plus là un colon, j'aurai droit à trois colons. Ce qui me servira pas à grand chose parce que faire plus que deux, ça serait un peu compliqué. Est-ce qu'on prend les impôts? Parce qu'avec deux colons, ça me suffirait. Parce qu'avoir plus de deux colonies, ça va me coûter un cavé cher, quoique je gagne plein d'argent. Et si j'ai un marchand de plus, par contre, là, ça sera tout bénef. Temps de voyage des colons. Et de toute façon, tout ce qui est là, tout est intéressant. Pour moi, tout est intéressant. Et là aussi, tout, à peu près tout. À peu près tout. Parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça, non, je m'en fous un peu. Ça, je m'en fous un peu. Et le premier m'intéresse aussi. Allez, doctrine d'expansion, parce que c'est ça. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Nous, on est dans l'expansion. Expansion agressive. Tant pis, j'ai choisi. Le vote est fait. Donc, je peux choisir entre un colon ou un colon. Et là, j'aurai revenu d'outre-mer plus 10%. Empire global. Je peux tenter de finir l'exploration. Ça fait quoi si. Permanent contre les païens. Cassius Belli permanent contre les païens. Fous de ma gueule. Contre les autres nations moins avancées d'Asie. Limite d'effectifs terrestres plus 33%. Si je fais tout. En plus de tout le reste. D'accord. Putain, ce serait épique ça. Ça serait épique. Eh bien, on va faire ça. C'est très bien ça. Attention, on va verser la petite larme. Non, encore pas, presque pas. Encore 30 jours. 40 jours, pardon. On a posé nos bateaux ici. On est très bien. Mais attends, on va les ramener ici pour aller récupérer ces unités-là. J'ai envie de voir la première colonie. 20 jours. Allez, mène-toi le cul. Mène-toi le cul, colon. Fais la route en petite barque, je m'en fous. Mais dépêche-toi. Allez, 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 presque. Il construit la colonie. Voilà, nous avons un pied, il y a marqué Ming en Australie. C'est n'importe quoi. Mais il y a marqué Ming en Australie, et ça, c'est toujours cool. Vous en indiquer ceci, quoi. Mais je m'en fous. J'en ai rien à foutre, moi. Je veux pas attaquer la Horde, donc j'en ai à foutre. Je suis occupé, là. Hein? Vous voyez pas que je suis occupé? Donc, ça y est, je peux mettre des points là. Eh, je peux. Je peux, je peux. Est-ce qu'on tente. Allez, on va tenter le colon d'ici. On va tenter le colon d'ici et on va directement l'envoyer là, le deuxième colon. Comme ça fera avancer la truc plus vite et on pourra tout de suite tout avancer plus vite. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Une excellente armée. Gagner 5 000 d'effectifs en plus. J'ai rien demandé. J'ai 120 000 d'effectifs. Maximum 118 000, quoi. Et ouais, j'ai méga des bonus et j'ai plus de territoire qu'avant, donc. Révolution agricole, en plus j'ai la musique épique derrière. Je préfère gagner des impôts, mon grand. Donne-moi des sous. Des sous, des sous, des sous. Est-ce qu'on lance une troisième? Est-ce qu'on lance une troisième colonie, les enfants? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça coûte cher quand même. Hein. On gagne quand même 15. C'est pas mal 15, hein. Non, l'Empire est en pleine expansion. L'Empire commence à devenir méga puissant. Le monsieur, il a 35 ans, il a un fils qui a 24 ans. Il n'y a pas un petit problème. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème? L'héritier a 24 ans, l'empereur a 35. Non? Enfin, je sais pas, moi ça me semble un peu bizarre. Il a fait des enfants très jeunes, notre empereur, hein. Ça vous paraît pas un peu bizarre, vous? Monsieur, il a 35 ans, son fils, il a 24. Ça me choque un tout petit peu. Je dois bien vous avouer que. Et là, j'ai plus de problème de. Si, 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 je me disais.
Ah, j'attends ma mère, il est beaucoup, comment ça, il peut pas bouger. Mais là, de toute façon, il y a que 1000 1000 indigènes, donc c'est franchement, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est cool. Allez, hop, on continue, les hérétiques. Ah bah, les hérétiques. C'est vrai qu'il me faudrait quand même un missionnaire de plus. Un missionnaire de plus, ça ne serait pas de trop. Ouais, là on va rusher celui-là, comme ça on aura fini les doctrines d'exploration. Et ce sera toujours ça. Et là, il nous manque deux doctrines, donc une par ici, et on peut faire celle-là. Allez, on va la faire, parce qu'on n'est pas trop en retard au niveau du militaire. Vitesse de récupération d'effectifs. Et comme ça, on va bientôt gagner le bonus ici. Coût de stabilité moins 10%, je m'en fous, c'est la production qui m'intéresse un peu plus. Et ça, ça m'intéresse un peu plus aussi, ça aussi, et bien entendu, ça. Et une heure plus 100%. Vous imaginez, ça ferait quand même du monde, hein. Du monde pour envoyer sur la gueule des Européens, si jamais ils me cherchent des noises. Il faudrait qu'ils se mettent à tous ensemble pour essayer de me défoncer. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Il est un peu plus court que d'habitude. Mais voilà, je fais un épisode un peu plus court parce que peut-être une heure, ça peut être un petit peu long, une heure de repas. Donc, je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Alors, j'espère que vous avez apprécié celui-là. On a bien avancé et on a mis enfin les pieds en Australie. Et voilà, et donc ça, notre truc avance bien. On a récupéré tous les territoires qui nous étaient dus. Et maintenant, on est un méga empire puissant de la mort. D'abord qui tue, on a plus de territoire que n'importe quel empire du monde d'ailleurs. Peut-être pas que les Russes, parce que j'ai vu que les Russes ils avaient un gros empire aussi. Hein. Ils ont pas attendu trop longtemps non plus. Hein. Bon voilà, je vous dis merci de m'avoir regardé, mettez-moi un petit pouce vert si ça vous a plu, un petit commentaire si vous voulez. Je vous dis à la prochaine, ciao.